Aujourd'hui, le Suisse-Allemand, comment ça marche? En fait, ce que les Stoffifs appellent le Schwitzwörtlich, le Mundart ou encore Dialekt, c'est un ensemble de variantes régionales d'une forme d'allemand un peu primitive. Faut dire ce qu'il y a. Du coup, c'est impossible de compter le nombre de dialectes. Il y en a autant que de Suisse-Allemands eux-mêmes. Et la dernière fois que j'étais à la street parade, il y en avait une chiée. Le plus souvent, on s'en tient à des grandes catégories qui suivent le découpage des cantons et reflètent aussi la culture du lieu. Par exemple, le dialecte de Zurich. Hey, Zürich-Deutsch, ist im Fall hure geil. De Berne. Ihr redet Bern-Deutsch. Ou de Bonn. Du, sag mal, kennst du Basel? Mais dans chaque canton, on trouve aussi des sous-variantes. Par exemple, à Saint-Gall. Ah, Achtung, es gibt schon verschiedene Ostschweizer Dialekte. Also im Saarländerland, im Rheintal, im Fürstenland und im Toggenburg. Ça fait mal aux oreilles, c'est normal. La règle de base chez les Bourbines, c'est que chacun parle son dialecte et tout le monde est censé se comprendre. Ça marche assez bien, sauf pour les Hauts-Valaisans et les Saint-Ginois. Hier sech, hätt ich gesagt. Ich gucke und gückele. Aber ihr Nummer gibt's mir nicht. Ou Google ou Ja, klar, tip top. Dis donc, il n'y en a pas un qui a un livre-lit? D'un dialecte à l'autre, il y a bien sûr l'accent qui change. Mais c'est souvent aussi le vocabulaire qui est différent. Par exemple, le mot bonbon se dit Zettli à Zurich, Tefli à Berne, Tropfli à Lucerne, Zuckerli à Thurgoville et bonbon à Brig. Je me suis bien sorti. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Vous voulez un peu de Biberli? Rien que pour le mot toile d'araignée, il y a 125 façons de le dire. Ça a l'air difficile, mais il y a 2-3 astuces à connaître. D'abord, il faut savoir que de plus en plus de mots du dialecte sont empruntés au Bosch. Donc, si vous avez encore votre Wortschatz de la famille Chaudé, merci Denise, c'est le moment de faire une petite révision. Lumpi ist mein Hund. Ensuite, il faut mettre la terminaison li après chaque substantif. Lumpi ist mein Hündli. Et ne pas oublier de se racler la gorge exagérément pour chaque mot qui contient un CH. N'oubliez pas non plus de placer des onomatopées régionales pour vous fondre dans la masse pendant votre tour de Suisse. C'est très important. Ah ouais. Aïe 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 aïe. Et voilà, vous êtes parés pour passer l'été avec vos cousins, les Cascaboulons. Et si tout ça vous paraît trop compliqué, vous pouvez aussi faire comme moi et voyager local en passant les vacances chez vous, mais dehors. Schön später noch. C'est quand même bien foutu, non? Vous savez nager? Sorry, das habe ich jetzt nicht geschnallt. Sorry.